Ah oh, bah je suis bien content d'être arrivé. Gente oh, dame, bonjour. Mes beaux seigneurs, pareillement. Oh, je viens de loin. Oh, je suis content ce soir de pouvoir vous raconter une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée, oh là là, il y a très 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 longtemps. À une époque qui n'est même plus dans les livres d'histoire. On l'a effacée. Un royaume magique, le royaume de Camelot. C'est un royaume qui n'existe plus de nos jours. Et dans les livres d'histoire, vous pouvez le chercher, vous ne le trouverez point. Et pourtant, en ce temps-là, Merlin l'enchanteur, était à la table ronde avec le roi Arthur. Et il l'a aidé pendant des années et des années de ses judicieux conseils pour faire de la table ronde cette institution universellement connue. Pas mal quand même pour un royaume qui n'existe plus. Tout le monde connaît les chevaliers à table ronde. Et Merlin l'enchanteur, a travaillé pendant des années et des années à créer cet ordre de chevalerie magique. Un jour, le temps ayant passé, Merlin sentit que son travail près d'Arthur devait prendre fin. Il fallait laisser à ce jeune roi, vigoureux et plein d'entrain, toute la puissance de gouverner son royaume, sans un vieux bonhomme derrière lui pour lui donner des conseils, de façon à lui permettre de gagner en crédibilité. Et en plus de ça, Merlin sentait que c'était le bon moment pour lui de retrouver sa forêt. Et un matin, Merlin s'en alla. Il partit dans la forêt lointaine, profonde, après avoir dit au revoir à Arthur et à tous ses chevaliers. Et il pénétra dans cette forêt sombre, mystérieuse, inquiétante pour certains. Certains la disaient même hantée. Et Merlin s'avançait tranquillement, en sentant comme s'il rentrait chez lui. Il était chez lui dans cette forêt. Il marcha, pendant des jours et des jours, jusqu'au plus profond de la forêt, là où aucun humain ne rentrait jamais. Il trouva une grotte qu'il avait déjà visitée il y a de nombreux siècles. Et il retrouva dans cette grotte les petites affaires qu'il y avait laissées et il s'installa là, dans cette grotte. Les jours passaient, Merlin vivait là, en grande solitude, mais cela ne l'affectait point. Et progressivement, il communiqua avec tous les animaux autour pour devenir lui-même progressivement un de ces animaux. Une meute de loups avait élu domicile dans la contrée. Et ils venaient visiter Merlin tous les jours. Et Merlin s'entretenait avec eux. Et Merlin devient un loup de la meute. Progressivement, il abandonna tous ses vêtements et commença à courir nu avec les loups dans la forêt, à se nourrir comme eux, à chasser avec eux, à vivre exactement comme eux. Et il en perdit l'usage de la parole. Il ne faisait que grogner, hurler, courir, manger. Du sang s'était accumulé sur sa barbe, sur ses cheveux. Son odeur était plus que odorante, dirons-nous, pour employer un mot léger. Mais les loups n'étaient absolument pas gênés par l'odeur de Merlin, qui était intégrée complètement à la meute. Et plusieurs années passaient ainsi. Merlin avait complètement oublié les humains. C'est ce qu'on appelle dans la légende la folie de Merlin. La folie de Merlin, c'est le moment où Merlin était devenu une bête. Et le temps passait. Et Merlin était pleinement heureux dans son inconscience
de ce qui pouvait se passer dans le royaume. Et il vivait là pleinement. Et un matin, il alla au ruisseau avec ses frères loups pour se désaltérer. Et aperçut pour la première fois depuis moult temps un visage dans l'eau. Son visage dans l'eau. Et bien sûr, il ne se reconnaissa point. Cet être hirsute, avec du sang séché partout sur le visage, lui disait vaguement quelque chose. Et c'est comme si une graine de lumière venait s'implanter dans le cerveau de Merlin. Il prit un peu d'eau dans sa main, se débarbouilla, se dit, mais je connais ce visage. Je ne suis pas un loup. Il se nettoya un peu plus profondément et la lumière rentrait un peu plus dans son cerveau. Et il se souvient d'un nom. Arthur. Arthur. Qui est Arthur? Arthur. Merlin. Merlin. Je suis Merlin? Eh oui, Arthur. Arthur, Arthur, c'est mon fils. Non, 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 c'est pas mon fils. Arthur, c'est mon protégé. Bien, mais c'est le roi Arthur. Et la mémoire progressivement lui revient. Il se redressa, se vit pleinement dans le reflet de la rivière, et se débarbouilla complètement, retrouva figure humaine enfin, se dirigea vers sa grotte, retrouva dans un coin caché les vieux vêtements pleins de poussière qu'il avait abandonnés là, se revêtit avec et s'en alla dire au revoir à ses frères loups et se dirigea vers le monde des humains. Il marcha pendant très longtemps, avant de enfin sortir de la forêt. Et plus il marchait, plus la lumière lui revenait, plus les souvenirs lui revenaient. Et il se souvenait de tout. Il était Merlin, Merlin l'enchanteur, l'ami et le conseiller du roi Arthur, celui qui avait créé avec lui les chevaliers de la Table Ronde. Et il commença à se diriger dans le monde des humains. Il passa devant des bûcherons qui travaillaient. Quand ils virent cette figure monstrueuse, hirsute de partout, des cheveux pas complètement propres, avec un peu de sang, et surtout cette odeur qui l'habitait, il n'avait pas vu un bain depuis la nuit des temps. Les bûcherons s'écartaient sur son passage, un peu effrayés, et il commença à passer devant une première ferme. Les gens, le voyant arriver sur le chemin, fermaient les portes. Il continua son chemin, complètement indifférent, pour arriver jusqu'au premier village. C'était jour de marché. Foule était sur la place. Il rentra tranquillement sur la place. Les gens, voyant cet individu bizarre arriver vers eux, ne prirent pas peur car il était seul et eux nombreux. Mais était quand même un peu inquiet. Alors il s'écartait sur son passage pour lui faire place. Et Merlin avançait tranquillement, d'un pas sûr et assuré. Et on entendit une voix d'un vieux paysan qui dit « Mais ne serait-ce point Merlin qui vient là ?» Et là, certaines personnes le regardèrent plus précisément. Ils disent, mais oui, c'est Merlin l'enchanteur, il est revenu, ça y est, Merlin est revenu, nos ennuis sont terminés. Car effectivement, le royaume de Camelot était plongé dans la guerre. Le fils du roi Arthur, Mordred, avait levé une nouvelle troupe pour se battre contre son père. Et donc les paysans, malgré leur inquiétude à voir ce personnage un peu curieux quand même, se dire « Ah, c'est Merlin l'enchanteur, il est revenu enfin parmi nous, on va pouvoir
gagner cette guerre. Et là, il y a une vieille mamie qui arriva derrière Merlin et qui attrapa sa cape et qui lui dit « Merlin, Merlin, je sais que c'est toi, Merlin, c'est toi, je te reconnais bien, moi, je t'ai bien vu plein de fois, je sais que c'est toi. Merlin, fais quelque chose pour moi, la vie est méchante, la vie est méchante, j'ai perdu mon mari à la guerre, et j'ai perdu mes trois enfants à la guerre, fais quelque chose pour moi. » Merlin, imperturbable, continuait son chemin, mais la vieille s'accrochait à sa robe, à son manteau, il disait, « Merlin, Merlin, aide-moi. La vie est méchante, la vie est méchante, fais quelque chose pour moi. » Merlin s'arrêta, se retourna vers la vieille et lui dit, écoute la vieille, tu vas monter dans la montagne tout en haut. Et quand tu seras arrivé là où tu ne peux plus aller, face à la falaise, tu vas crier ton désespoir à la vallée. Et tu vas lui dire que la vie est méchante, non mais sans blague. Et après, quand tu auras fait ça, tu pourras revenir et enfin, je t'aiderai. La vieille se dit, à mon âge, une course pareille, ça va pas être facile, j'ai mal partout, c'est haut là-haut, c'est très très haut. Mais elle se mit en chemin. Les gens la voyant partir se disent, bon ben, celle-là, la vieille, là, on va pas la revoir, hein, c'est sûr. Elle s'engage dans la montagne, jamais plus on la reverra. Et la vieille montait par le chemin, montait dans la montagne. Et elle monta pendant un jour, deux jours, trois jours. Et comme elle était cabossée de partout, bah c'était à tout petit pas, et elle metta un temps incroyable pour arriver jusqu'en haut. Cinq jours. Et elle arriva enfin devant la falaise. Et elle se mit debout, bien près, et elle cria « La vie est méchante! La vie est méchante! La vie est méchante !» Rien ne se passa. « La vie est méchante! La vie est méchante !» Là, on entendit dans le lointain l'écho. L'écho qui lui répondait. L'écho lui répondait. Et la vieille entendit « La vie aime et chante. La vie aime et chante. » En entendant cela, la vieille se redressa. Son dos tout voûté, tout crispé, se détendit et elle se redressa. Et l'écho continuait. « La vie aime et chante. La vie aime et chante. » Son visage se relissait, sa jeunesse revenait, et elle se sentait parfaitement bien. Et dans cet état, elle redescendit au village. Elle redescendit au village où les gens la virent arriver. Elle mit une journée, même pas, pour descendre, car elle était pleine de vigueur. Et les gens, la voyant arriver, avec ses vieux vêtements dans lesquels il avait vu partir, mais voir cette belle femme revenir, tout le monde était surpris. Il disait, mais c'est vraiment toi la vieille? Oui, oui, Merlin m'a guéri. Merlin m'a guéri et maintenant je vais vous guérir aussi. Et elle devient la guérisseuse du village. Et encore maintenant, de temps en temps, on entend la montagne gentiment. La vie aime et chante. La vie aime et chante. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que bah, vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, bah, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo.
La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos, on pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis, et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.